C'est vraiment joli. Mais qu'est-ce que vous faites là, les gars? J'ai encore des choses à vous montrer. Venez. Encore? Oui, encore? Venez, allez, c'est parti. Allez. Tu regardes de partout, tout est joli. On mélange les deux là, le décor est vraiment en valeur. Même sur le style d'une cheminée, ça le fait. C'est magnifique. Même les vasques et tout fait en carrelage. Ah, même celui-là, tu vois, en imitation travertin, il est vraiment joli. T'as vu, les veines sont dans l'autre sens. Ouais. Toujours la petite touche, t'as vu, de biseau et tout, c'est vraiment quali. Ah, moi, j'aime bien en tout cas. Vraiment. Putain, mais ça, c'est quoi ça? Allez, viens, Joanne. Regarde ça. Là, il y a tout de réuni. Ah, la couleur pierre, le naturel, la chaleur. Le côté détente. Ça donne envie de poser ses valises. L'esprit zen. Ouais. On est bien ? Là, on est bien. Ouais. Hey Fabrizio, viens ! Effectivement, on est ici dans les showroom Provenza. Je vous présente la série Unique Travertin. C'est donc un produit qui est très, très, très vendu en ce moment, très demandé. La particularité de cette série, c'est d'avoir la partie minimale, la partie ancienne et la partie 24. Donc, en fait, c'est toujours la même pierre coupée avec trois façons différentes. Et donc, c'est une série qui est vraiment très complète. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, nous, dans nos salons ou, c'est vrai, sur les chantiers. L'imitation travertin, ça marche vraiment fort, en tout cas. On met de plus en plus, vraiment. Ouais. Oui, je crois que c'est aussi grâce à la couleur. Donc cette teinte beige, en fait, en ce moment, c'est particulièrement demandé. La petite structure, les couleurs, comme tu dis, c'est vrai que c'est un côté, mais vraiment relaxant, quoi. Et c'est chaud, c'est chaleureux. Ouais. Moi, j'aime bien. Et regarde, ça y est, maintenant, le travertin, il est en grand format aussi. Ouais. Puis même, tu as vu en déco, si tu as envie de faire des baguettes, une décoration, c'est super joli. Carrément. J'y trouve hyper moderne, en plus. Le ménage. Avant, on était habitué à du 360. Ouais. Mais là, en grand format, 2,70. Justement, je trouve que ça donne ce côté un peu moderne, le fait que ce soit en très grand format. Mmh. Et là, regarde, Johan, une étagère. Je ne l'avais même pas vue. Elle se confond avec le mur. Ouais, t'as vu. Hyper moderne, hyper discret. Ouais. Super joli. Et toujours hyper quali. Toujours pareil. Et Johan, qu'est-ce que tu fais? Attends, t'as pas vu le mur d'escalade? Non. On s'équipe et on y va. Allez, c'est parti. Vraiment, Johan, on en prend plein les yeux, mais regarde, ça, c'est magnifique. Oui. L'esprit zen qu'il y a, on se croit en Asie. Complètement. La détente, la réflexion personnelle, là. C'est moi, j'adore. Franchement, je kiffe. Super. Franchement. Ah ouais, quand même. Ah non, dis-moi pas que c'est du carrelage sur les portes. Ouais, si, regarde, Johan, c'est du carrelage. Ils ont même fini le champ des portes. Oh là là. Franchement, je me demande ce qu'on va trouver de l'autre côté. Ils vont au détail, mais au maximum. Si on enche al telefono sabato sera quando ancora noi saremo incontrato. Non mais Eric, tu fais quoi là? Là, oh, j'apprends l'italien. T'aimes tellement le carrelage que tu vas apprendre l'italien? Non mais sans déconner, j'adore la langue. Il telefono ha squillato senza dargli spaghettino. Bon, bah, attends, je reviens, Joanne. J'adore vraiment ce style avec la pierre rossillée, façon rossillée. Vraiment, c'est super joli. Ouais, mais regarde, Joanne, là, on dirait un petit ciel étoilé. Et comme il est beau. C'est joli aussi. Franchement. Ouais. Oh là là, avec les lumières, on dirait des petites étoiles. Ouais. Allez, on va voir la suite. Hey, Fabrizio. Franchement, on en a vu toutes les couleurs. On est vraiment bluffé. Oui, ça me fait plaisir. Et vous n'avez pas tout vu, en fait. Je vous présente la série Sandstone. C'est une série de Provenza qui prend l'idée d'une vieille pierre de sel. Et à partir justement du sel, nous avons créé une collection qui se décline en six couleurs. Des couleurs assez pastel, assez doux. Légèrement veiné la sérigraphie. Donc plusieurs formats et aussi la version naturelle et la bateau. D'accord. Et là, vous avez la palette des couleurs. D'accord. La couleur originale, c'est le rose. Bien. Ah ouais. Les veinages, on retrouve justement les veinages qui est dans la pierre d'origine. D'accord. Bah, franchement, hein, tu nous épates. Merci, c'est gentil. C'est vraiment joli. Tous les dessins viennent vraiment des produits naturels. Mmh. Tout à fait. Et ce petit banc?
Ces petits bars, on ne les trouve pas dans la nature, mais on peut le créer exprès avec les carrelages. Il est très joli en tout cas, franchement. Merci. Très. Merci. C'est une belle décoration. C'est l'idée qui vient de la nature. Tu vois. Ah là, c'est joli. Tu vois, il a un petit côté un peu château, je trouve. Ouais. Oh, bon. Il est grand aussi. Hein. Ouais. T'as vu un peu les bords? Ouais. En plus, ils le font en petits pavés, petites pierres, comme ça. Regarde, les petites bières, jointées. Merci Fabrizio pour la visite des showrooms. On en a pris plein les yeux, c'était vraiment agréable, ça nous a donné beaucoup d'idées pour nos futurs chantiers. Ah ouais, c'était vraiment top, c'était magique. Les showrooms en Italie sont magnifiques, mais du coup en France, on peut les retrouver où? Alors, merci beaucoup de votre visite, ça m'a fait énormément plaisir de vous accueillir dans nos showrooms. En fait, les produits que vous avez vus, vous pouvez les trouver chez Espace Bad. Ça tombe bien, on travaille avec eux. C'est nos clients. Ah ben, c'est magnifique. Alors, vous y allez et vous pouvez trouver nos gammes. Ben, merci. Merci à vous, merci et à la toi. Prochaine occasion. Et je vous accompagne. Venez. Bon allez Fabrizio, nous on a de la route, hein. On te laisse. D'accord. Allez, ciao. Allez, rentrez bien. Merci Eric. Merci ciao, Johan. Fabrizio. Au revoir. Ciao bonne Fabrizio. Route. Merci. À bientôt. Bon, on a quoi, 700 km? Ouais, tu sais quoi, on va aller s'arrêter boire un petit café allez. Quand même. Un petit risotto ou un prosecco? Un petit prosecco, allez. Ils sont fous ces Français.